Et pour nous,
et le documentaire, l'essai et les journaux, l'expérimental et un cinéma sériel, Gérard Courant explore toutes les possibilités offertes par le cinéma. C'est impossible de parler tous les films de Gérard Courant dans ses cours. Veuillez nous excuser si nous n'avons pas la capacité de vous montrer toutes les filmographies de Gérard Courant. Peut-être une heure ou deux heures n'est pas assez juste pour lire ces ouvrages. C'est la raison pour laquelle nous avons fait la catégorisation sur les ouvrages de Gérard Courant. Même si pour moi c'est un peu banal, on espère que cela peut décrire un petit peu son travail qui est énormément. Alors, la première catégorie, c'est des séries cinématographiques. Voilà, c'est la présentation. Bien sûr, les séries de Gérard Courant et les plus connues, c'est le Cinématon. Mais je ne peux pas parler Cinématon, c'est la partie de Fernanda. Bon, je vais parler plutôt d'autres séries hors de Cinématon. Et comme vous avez vu dans les présentations, les cinématons duraient 3 minutes 30 secondes et jusqu'à aujourd'hui, il a fait 2512 cinématons. Ça dure 167 heures, plus que cela. Et d'autres séries que j'ai déjà remarqué, il y a quelques séries qui sont intéressantes. La première, c'est la série Couple, qui s'appelle Couple. Répond sur le même principe que Cinématon. Donc, les plans fixes, moués, de 3 minutes et 20 secondes, où les personnalités filmées sont libres de faire absolument ce qu'elles font. Et la différence vient de la valeur des cadres. Les plans larges remplacent ici les gros plans de Cinématon. Et du fait que Gérard Courant filme ici des couples. Bon, il y a des personnes, des couples qui font ce qu'ils font. Et d'autres séries, c'est la série de ma chambre d'hôtel. C'est une série cinématographique qui montre un seul plan fixe et large. Ça, c'est à partir du numéro 1 jusqu'au numéro 30, parce que c'est la série, numéro 1 jusqu'au numéro 30 de série, c'est le seul plan fixe et large. Et puis, à partir du numéro 31, c'est une vingtaine de plans fixes, de toutes grosses, d'une durée, faire 3 minutes et 20 secondes. C'est les différentes chambres d'hôtel où il a eu l'occasion de chercher. Et le principe de série de Gérard Courant, c'est un seul prise. Avec, on peut dire, c'est un coup de page entre 3 minutes jusqu'à 4 minutes. La plupart des films est noué, sauf la série livre. Et puis, ils sont plan séquence, toujours le plan fixe. Et la personne qui est filmée a liberté de faire ce qu'elle veut. Soit il filme l'événement ou à la gare, soit au cinéma. Maintenant, je voudrais vous montrer une série qui s'appelle Lire. La série Lire, c'est une série cinématographique de portraits filmés montrant
un seul groupement fixe et sonore dans un écrivain qui lit les débuts de son dernier livre oublié. Cette série a été commencée le 11 août 1986. Le format, c'est Cinéma Super 8, vidéo, mini DVD, et ses films sonores et en couleur. Donc, on a publié du portrait. Son portrait durait seulement 4 minutes. Ouais. Qu'il pourrait bien lui-même tomber sous le coup d'une accusation similaire. Ce refus viscéral de l'opposition d'écrivain qui lui imposerait de camper du côté bourgeois de la barricade n'a bien sûr du moins échappé à Jean-Paul Sartre. Mais il n'en a pas moins appréhendé Jeunesse sous un angle exclusivement littéraire. Et considérait que son destin l'appelait inexorablement à finir dans la littérature. De ce fait, à l'époque du temps, il apparaît que le colossal et somptueux monument, pour ne pas dire le mausolée, qu'il lui a édifié sous l'espèce d'une préface de 700 pages, se révèle plutôt mal ajusté à l'envergure que le personnage devait ultérieurement révéler. Non que celle-ci soit trop ambitieuse. Mais pour avoir manqué, elle-ci, le ressort processuel de sa vie et de son œuvre. Selon ça, il aurait traversé trois métamorphoses, celle du voleur, celle de l'esthète et celle de l'écrivain, qu'il aurait fait successivement passer de l'acte au geste. Je voudrais vous montrer aussi une série de cinéma qui est une série, un seul plan fixe, muet, une fouille de la façade ou ce qu'il reste des différents cinémas à l'intérieur desquels ont été montrés des cinématons. Cette série a été commencée le 2 novembre 1991. Le format, c'est Cinéma Super 8 et c'est muet. En couleur. Chaque série dure 3 minutes 40 secondes.
peut dire work in progress. Bon, c'est pas encore fini, tout est pas encore fini. La deuxième catégorie, c'est les carnets filmés. Les carnets filmés sont des archives cinématographiques qui regroupent toutes sortes d'éléments épars, essais, notes et aussi reportages, pour former un ensemble proche de l'esprit d'un journal en littérature ou des cahiers d'essais pour un peintre. À partir des années 1980, parallèlement à ces carnets filmés en Super 8, Gérard Plon tourne également des carnets filmés en vidéo, dont les épisodes recouvrent des durées beaucoup plus courtes. De nombreux épisodes anciens ne sont pas encore montés ou sont en cours de montage. Certains épisodes recouvrent seulement quelques jours, voire un seul jour, comme sa trilogie qui s'appelle Ali Koudi, filmée sur trois journées en 2007. Et puis, en 2007 et 2008, Gérard Plon a filmé une dizaine d'épisodes avec téléphone portable qui ressemble sous le titre qui s'appelle Décalogie de la nuit. Ces épisodes ont la particularité d'exister en deux versions différentes. Le cinéaste ouvre un peu la manière des musiciens qui composent des variations d'une même pièce sonore. Et puis, Gérard Plon a terminé par 162 épisodes de ses carnets filmés, 34 sur support cinéma Super 8, 109 sur support vidéo et 19 avec téléphone portable. Et maintenant, en 2012, l'ensemble des films en cours de tournage est calculé 191 heures. Et je vais vous montrer un extrait de film Décalogie de la nuit 4, Massalia, produit en 2011. Thank you.
Alors,
contemplatif. Et un des films long métrage contemplatif s'appelle Aditya. Et il fait aussi d'autres films long métrage lyriques, on peut dire ça. Et comme Corps bleu, La mort des soirs, J'ai prié, je ne suis plié. Et d'autres longs métrages et longs métrages musicaux, c'est vivre comme cet été, c'est vivre est une solution. Et puis il y a d'autres types de longs métrages, on peut dire ça, c'est un long métrage hypnotique qui le titre c'est La neige tremblée sur les arbres. Et il y a aussi long métrage répétitif, parce qu'il répète le tout. C'est Very Nice Lady. Et puis il y a long métrage minimum, c'est Amour décoloré, qui met souvent dans. Tout est mettre souvent dans la scène des femmes et au stade de l'endocrine. Il a réalisé aussi des longs métrages faits que des images fixes, comme les aventures des Dick Turley et des films à propos de la grève, ou d'images de négatif, la peinture dédiée pour les deux. Bon, il a tourné aussi l'ascension de Notre-Dame de la Garde à Massé, et un seul plan séquence d'une heure et 24 passion étalée sur 24 ans. Il se transforme en cours cycliste aussi dans Chambre les Arts, une phélographie de Gérard Courant, parce qu'il aime beaucoup les phélos. Et dans un inventaire filmé des loups de la Croix-Rousse à Lyon. Il a fixé sur la pellicule les 195 roues du quartier de sa naissance. L'idée des films hors des séries et des caméras filmées, c'est un peu différent par rapport des séries et caméras filmées. Parce qu'il y a une sorte d'expérimentation comme des films. Par exemple, pour les courts-métrages, il y en a beaucoup des films compression. Les films compression, l'idée, c'est tout simple. Il était de compresser des films longs-métrages. D'une heure ou demie ou presque 2 heures, en 3 minutes, par exemple, de faire en sorte que les films entiers soient visibles en accéléré, sans qu'il manque un seul plan de feu original. Par exemple, la compression des bouts de souffle. Et la réduction du long métrage au bout de souffle de Jean-Paul Cocteau. Et ces compressions au bout de souffle compressent, on peut dire ça, compressent un autre date de Jean-Paul Cocteau. Et c'est les films de Gérard Courant. Mais en ce moment, je voudrais vous montrer un extrait du film qui s'appelle Aditya. En fait, c'est la première partie de la tétralogie Les Jardins des Ennemis, qui est réalisée en 1980.
fin. Tourner en cinq parties la barbarie, la délivrance, la raison, la voyage, l'harmonie. Aditya opérait un trajet à travers un espace détruit. C'est l'histoire d'une femme et l'histoire du soleil. C'est peut-être aussi l'histoire d'un rêve.
En ce moment, je donne la parole à Fernande qui va parler du cinéma. La première chose que je voulais dire, c'est que, excusez-moi pour mon français, je ne suis pas francophone à la base, donc je vais faire des efforts. Je vais faire mon mieux, mais quand même, j'arrive en France, je suis ici depuis 5 mois. Donc, mon français c'est beaucoup mieux maintenant, mais ce n'est pas mal là tout à fait. Donc, la partie qui c'était à moi, c'était de dire, de parler, de susciter des questions, c'était sur le cinéma que M. Gérard Gouron il a fait, que je trouve vraiment intéressant, c'est pour ça que j'ai choisi cette partie-là. Et la façon que j'ai trouvé de dire et d'exprimer ce qu'est-ce que c'est un cinématon, c'est de montrer un cinématon qu'il a fait. Ça veut dire, j'ai tourné, je suis allé avec Poupout chez lui, et j'ai tourné la tournage du cinématon de Poupout. Et comme ça, je voudrais vous montrer qu'est-ce que c'est un cinématon, comme M. Gérard Gouron le fait. Et je pense que le film peut exprimer un peu l'expérience d'être filmé, d'être devant la caméra et la caméra. Et comme ça, je vais. On va voir le film, mais vous allez voir ma vision. De ce qui s'est passé là-bas. Alors toi, tu peux filmer le tournage? Oui. C'est ça, c'est ce que tu vas faire? Oui. D'accord. Est-ce que c'est possible? C'est une idée un peu spontanée, toi. Je pourrais regarder ce film? Un peu aussi, oui. Est-ce que c'est possible? C'est une idée.
Alors, tu peux signer. Normalement, on est face, donc on va pas voir ça. Ah, ouais. Non, si tu veux qu'on voit le film, il faut que tu sois dos à l'écran. Alors, il faut que tu te mettes devant l'écran. Et toi, tu ne vois pas. Ah, ouais. Mais ça va. Ça, c'est possible, bien sûr. D'accord. Dans lequel des films tu voudrais le... Déambulation ou Webblock, Godard. Ah, Godard. Non, oui, c'est non. D'accord. Je prépare ça. Est-ce que c'est ton bloc? Non, ben, c'est pas ça, parce que moi, le cadre, c'est comme ça, c'est un bon plan. Ah, d'accord. C'est le simulateur, c'est un plan comme ça. Ah, oui. C'est un bon plan. D'accord. Comme ça, voilà. Je mange un peu. Alors, il y a une chose qui est très amusante, c'est que sur l'écran de télévision, il y a des reflets de la, par exemple, de la bibliothèque en plus. C'est assez intéressant. Voilà, on va faire un essai déjà, voir ce que ça donne. Thank you.
Tu sais que c'est fini? Ah, on te voit enfin. Oui, oui, bien sûr, oui, oui. Non, on pourrait voir ton cinéma. Les carnets d'écrits que vous avez. Ah, oui, on pourrait voir ton cinémato aussi. D'accord. Ton cinéma et celui de, des deux, non?
projeto de Bruna Pomerá, que fez um rapport de Bruna Pomerá, e Isabel é de Riel, sim, mas a câmera é um aparelho climático. Mas, par rapport ao concurso, j'ai pensé que ela toujours essayait de s'effacer, de ne pas être là, de ne pas être regardée. Donc, avec le cinéma, on montre beaucoup un peu la personnalité du jeune. Est-ce que vous dites ça? Mais c'est beaucoup. Ah, tu veux que je vienne avec? Parce que pour moi, la semaine prochaine, on voit la conjonction. Alors, maintenant, on va voir quoi alors? On va voir. On va voir le cinéma de Coupoute, comme ça, c'est juste parmi les deux. Non, mais ça marche, oui. Alors, je ne sais pas, là, on fait un projet. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On était. Pour Poupoute, c'était 2511 et j'ai été 2512. Est-ce qu'il y avait une autre personne après? Non, non. D'accord. Pour montrer le cinématon qui. Non, mais j'aimerais bien discuter quand même, parce que comme j'ai déjà dit que la semaine prochaine, on n'aura pas beaucoup de temps, donc moi je voudrais bien... D'accord, je voudrais répondre à vos questions. En fait, je voudrais bien savoir par rapport au cinéma con, parce qu'on a aussi une expérience plutôt pratique, que donc, pour nous ce n'était pas que l'exposé à faire, donc tu vois comment, hein, mais on a quand même à faire un peu des pratiques. Et donc, voilà, je voudrais bien savoir, Monsieur Courant, si donc, ce que Fernande a commencé de demander, est-ce que vous avez déjà, disons, une liste des gens où vous voulez faire le cinématon, et comment ça se passe en général? Et donc, pourquoi vous avez choisi ce genre-là, et donc vous laissez libre les artistes comme ça devant votre caméra? Ça fait plusieurs questions. Mais non, il n'y a pas de liste. J'ai jamais établi de liste à l'avance. C'est simplement les cinématons, c'est un peu le fruit de mes rencontres, de mes rencontres à Paris ou à l'occasion de voyages. Donc voilà, je sais qu'il y a des gens que j'ai envie de filmer, mais ils ne sont pas dans une liste. Je sais qu'à un moment donné, l'occasion va se présenter, et puis voilà, je les filmerai. Donc c'est quelque chose de très empirique, de très anarchique. C'est, voilà, d'une année sur l'autre, il peut y avoir... L'année où j'ai tourné le plus de cinématons, c'est en 1990, et je crois que j'ai tourné, cette année-là, 320 cinématons. Puis l'année où j'ai tourné le moins de cinématons, j'avais peut-être tourné 20. Donc d'une année sur l'autre, c'est extrêmement différent. Et donc, voilà, si les cinématons continuent comme ça, d'année en année, au fil du temps, c'est parce que c'est un film qui est très libre. Si j'étais obligé, au début de l'année, enfin, si je dressais une liste en disant, voilà, il faut filmer telle et telle, telle personne, peut-être que ça serait... ça me bloquerait, et j'aurais peut-être plus envie de faire des cinématons. Donc voilà, les cinématons se font un peu au gré de ma vie, de mes rencontres, de mes voyages. Voilà, donc c'est... C'est les hasards des rencontres. Si on ne s'était pas rencontrés pour ce travail-là, ben, peut-être qu'on ne se connaîtrait pas, peut-être que je ne t'aurais pas jamais filmé. Voilà. Le hasard est la ligne directrice des cinématons, mais est-ce que le hasard existe vraiment? Ça, c'est une grande question philosophique. Alors là, je vous laisse le soin d'y réfléchir. Alors, il y avait aussi une autre question, c'était pourquoi j'avais choisi les artistes. Voilà. Alors, c'est vrai que quand j'ai commencé les cinématons, J'aurais pu filmer tout le monde. Voilà, de filmer des gens qui ne sont pas du tout dans le milieu artistique, mais toutes sortes de personnes qui sont, entre guillemets, de la vie civile. Mais dès le début, mon idée de départ, que j'ai beaucoup travaillé dans ma tête pendant au moins 2 ou 3 ans avant de faire le premier cinématon, donc ça a beaucoup mûri en moi,
Et en tout cas, dès le début, c'était une volonté de faire des, un peu des archives sur les artistes que je connaissais. Alors, je connaissais beaucoup de jeunes cinéastes expérimentaux, je connaissais des poètes, je connaissais des artistes, je connaissais des jeunes écrivains, et souvent, ces personnes-là n'étaient pas du tout connues. Et je m'étais dit, ça serait peut-être important de les filmer et de conserver une mémoire de ces personnes. Parce que peut-être que dans ces personnes qui m'entourent, il y a peut-être des gens de grand talent, et peut-être qu'ils vont peut-être mourir très vite, il n'y aura aucune image d'eux. Et je trouvais ça complètement fou qu'on était en plein siècle du cinéma, et souvent il y avait beaucoup de personnes que je connaissais, il n'y avait aucune image qui avait été faite sur eux. Hein. Et si on remontait un peu dans le temps, si on remontait dans la première partie du XXe siècle, souvent des grandes personnalités artistiques, il y avait très très peu de documents cinématographiques sur eux, alors qu'ils étaient nés avec le cinéma, il y avait souvent pratiquement rien. Et donc ça m'a fait cogiter, ça m'a fait réfléchir longuement. Et donc quand je me suis lancé dans les premiers cinématons, c'était évident que j'allais filmer des gens qui étaient du milieu artistique. Alors au sens large, hein, c'était, quand je dis artistique, le milieu du spectacle, le milieu de la culture. Alors c'était aussi bien des gens très connus que pas du tout. Et donc voilà, c'était cet objectif-là, et je l'ai toujours conservé. Souvent on me demande, mais pourquoi vous ne filmez pas des cultivateurs, vous ne filmez pas, je ne sais pas, moi, des ouvriers. Voilà, mais c'est très important de filmer ces personnalités sociologiques dont je viens de parler. Mais je laisse le soin à d'autres, je suis certain qu'il y a... Il y a d'autres cinéastes qui pourraient être intéressés de faire ce travail-là. Voilà, donc s'il y en a parmi vous qui ont envie de filmer, je ne sais pas, des employés de banque, par exemple, faire que des employés de banque, allez-y, allez-y. Comment j'ai pensé avoir que vous avez un vrai plaisir de filmer et faire des cinématons. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ça? Ah oui. Oui, le cinématon, c'est toujours la rencontre avec une personne, c'est ça qui est intéressant. Et c'est une chose amusante. Au début, quand je faisais les cinématons, alors, soit je filmais des gens que je connaissais très bien, de mon entourage, ou soit quelquefois je filmais des personnalités que je rencontrais par exemple dans un festival de cinéma que je ne connaissais pas personnellement. Et donc le cinématon me permettait de rencontrer des artistes que j'aimais, des cinéastes que j'aimais, des écrivains, c'était un passeport extraordinaire. Je disais cinématon, hop, je pouvais rencontrer une personne et pouvoir entrer dans son intimité, pouvoir discuter avec elle. Cette personne pouvait être très libre. Par exemple, elle savait que je n'étais pas journaliste. Même si j'étais journaliste, par ailleurs, j'écrivais sur le cinéma, mais je n'écrivais pas sur les tournages de cinématon. Donc, il me disait un certain nombre de choses qu'il n'aurait jamais dit à des journalistes sur leur travail, sur leur œuvre, par exemple, et c'était un passeport fabuleux, c'est-à-dire que je disais cinématon, hop, tout, ça s'ouvrait et je pouvais passer une heure ou deux avec des gens que j'admirais. Donc c'était fantastique pour moi. Donc c'était très jubilatoire. Quoi. Pour moi, c'était un jeu. Et je l'ai toujours pris comme ça, depuis le début. Et d'ailleurs, il n'y a pas que les cinématons. Tous les films que je fais, j'essaie que ça soit comme ça. Même des films qui ont été faits dans des structures plus traditionnelles au niveau de la production, j'essaie toujours d'instaurer ça. C'est-à-dire que même si je fais mon travail le plus sérieusement du monde, je veux aussi m'amuser. C'est-à-dire si je ne m'amusais pas en faisant des films, j'arrêterais tout de suite, je ferais autre chose. Je ferais d'autres choses, je ne sais pas quoi, hein, mais je ferais des choses qui m'amusent. Donc le jour où je ne m'amuserai plus à faire des films, j'arrêterai tout de suite. Ça, alors là, c'est un pari que je me suis fait à moi-même le jour où j'ai commencé à faire des films. Vraiment, ça, c'était le minimum syndical. Hein, voilà. J'ai deux questions. J'essaie un peu. Et la première question, c'est pourquoi tu préfères filmer un cinéma muet et un noir et blanc? Oui. Ça, c'est la première question. Et mon deuxième, par rapport au cinéma et d'autres séries et aussi des carnets filmés, ça me donne l'impression que le cinéma est dans sa façon ordinaire. Et cela me demande si, pour vous, si la caméra est retournée à
c'est-à-dire que de nous enregistrer et puis de nous envoyer, parce que tout le monde dit que conserver, donc c'est, ça me rappelle à. On a les mémoires, on doit conserver cette image-là dans les cinémas. Et ça me rappelle aussi, quand, pendant notre entretien, le degré zéro du cinéma. Voilà, c'est ça. Alors, au début, la question, c'était le muet et... C'est muet et noir et blanc. Ah oui. Alors, quand j'ai commencé les cinématos au début 78, j'ai commencé en 16 mm noir et blanc, et puis j'en ai fait 9 en 16 mm, c'était pas ma caméra, c'était assez compliqué, et donc j'ai acheté une caméra Super 8 au bout de 2 mois de tournage à peu près, et à ce moment-là en France, on ne trouvait pas de noir et blanc Super 8. Il y a eu une période qui a duré à peu près 15 ans, où Kodak avait arrêté de vendre du Kodak en France en noir et blanc. Dans tous les autres pays, il y avait du noir et blanc et pas en France. Donc j'ai fait le cinématon numéro 10, le premier en Super 8, en couleur, alors que j'aurais voulu tourner en noir et blanc. Donc j'ai tourné en couleur pendant des années et des années, et puis au début des années 90, M. Bernard Jubard, le responsable du cinéma chez Kodak, est parti à la retraite. Il a été remplacé par Mamie Koudrine, et cette femme a dit, il n'y a pas de problème, le noir et blanc, il va revenir, on va avoir du noir et blanc. Alors je me suis posé la question à ce moment-là, est-ce que je vais tourner en noir et blanc? Et puis je me suis dit, ben non, c'est le Kodachrome est tellement extraordinaire, les couleurs du Kodachrome sont tellement fantastiques, que je continue de tourner en Kodachrome. Voilà. Et donc j'ai continué à tourner en Kodachrome jusqu'en 2006, jusqu'à l'arrêt du Super 8 du Kodachrome. Et à ce moment-là, je suis passé en numérique, mais j'ai tourné en couleur. Et parallèlement au cinématon, j'ai fait un certain nombre d'autres films où j'ai travaillé donc en numérique et en noir et blanc. Je me suis aperçu qu'il y avait quelque chose de vraiment de très intéressant à faire en noir et blanc. Et à peu près 200 cinématons, je suis passé au noir et blanc. Donc je suis revenu vraiment au cinématon des origines. Voilà. Donc maintenant, je peux tourner en noir et blanc. Et donc, voilà. Alors, je dis pourquoi le noir et blanc, parce que le noir et blanc, c'est, pour moi, c'est quand même le summum de l'image. Hein. C'est autant en photo qu'en cinéma. On n'a jamais fait passer autant de vérité dans l'image qu'avec le noir et blanc. Ça peut paraître aberrant, anachronique, mais je pense que les maîtres du cinéma, ils ont fait des films en noir et blanc, hein, de Dreyer à Eisenstein, à John Ford, ils ont fait les chefs-d'œuvre du cinéma en noir et blanc, et pour moi, les grands photographes, même s'il y a des grands photographes à toutes les époques, de toutes les décennies, il y a des très grands photographes qui existent, mais les Cartier-Bresson, par exemple, ben, ils ont travaillé qu'en noir et blanc. Ils auraient pu travailler en couleur, la couleur existait depuis le début du siècle, mais ils ont compris qu'il y avait une vérité dans le noir et blanc, c'est-à-dire que grâce au noir et blanc, on ne se disons qu'avec la couleur, le regard risque de se disperser, c'est-à-dire à divaguer, à perdre l'ordre, le fil principal. Et donc, voilà. C'est vrai. Donc, voilà. Donc, je suis un grand fan de cinéma en noir et blanc. Et je continue à regarder beaucoup de films en noir et blanc de toutes les époques. Alors, évidemment, aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile. C'est assez rare. Alors, pour le muet, quand j'ai eu l'idée du cinématon, donc bien avant de faire le premier cinématon, j'avais différents concepts en tête. J'arrivais pas à me décider, donc il m'a fallu 2 ou 3 ans pour me décider. Mais il y avait quelque chose qui était évident au départ, c'était de tourner en muet. Voilà. J'étais un grand spectateur de films muets, et donc j'allais voir beaucoup de films muets, donc, disons des origines jusqu'à la fin des années 20, et donc j'étais très fasciné par tout ce cinéma muet. Tous les cinémas américains avec Griffith, mais aussi beaucoup de cinémas soviétiques, et des cinéastes comme Abel Gance, Dreyer évidemment, et puis aussi tous les burlesques américains, surtout Buster Keaton pour moi qui était le plus grand, Harry Langdon, Chaplin, et tous ces cinéastes-là, ils sont nés pour le noir et blanc. Et donc, quand on a inventé le cinéma en couleur,
il y a quelque chose, c'est comme quand il y a eu le parlant qui est arrivé, quand il y a eu la couleur qui est arrivée, il y a eu quelque chose, il y a eu un passage qui fait que on a trouvé, dans ce passage, on a perdu un certain nombre de choses, on en a gagné d'autres, et je regrette beaucoup ce qu'on a perdu. Et donc, le muet, le projet Cinématon et muet, c'était pour moi l'évidence. Parce que ça se rattachait à l'idée de portrait, et ça avait, disons, un certain nombre de connexions avec la photo, le portrait en photo, le portrait en peinture, et je savais que s'il y avait du son, on se perdrait dans le Cinématon. Et il y avait des cinéastes qui faisaient des portraits avec du son, et donc le fait qu'il y ait du son fait que on s'intéresse beaucoup à beaucoup de choses subalternes. S'il n'y a pas le son, on s'intéresse plus à la personne, et la personne aussi, n'ayant pas le son, elle est obligée de se montrer d'une façon complètement différente. Elle ne peut pas se masquer derrière le masque de la parole. Elle est obligée de jouer, disons, carte sur table. Elle est obligée de, vraiment de se montrer beaucoup plus, de montrer son intérieur. Et donc, pour moi, c'était une évidence. Et je ne l'ai pas regretté, j'aurais pu me tromper, parce que tant que je n'ai pas montré les cinématons à un public, je ne pouvais pas savoir si les règles du jeu que j'avais mis en place au départ étaient les bonnes. Et il y a eu des projections assez vite. Au bout de 2 mois de tournage, j'ai eu les premières projections à Rennes et à Avignon, on avait montré 9 cinématons, donc c'était vraiment très très peu. Et tout de suite, on a vu que ça avait parfaitement fonctionné, la durée avait fonctionné, mais le fait que ce soit muet. Parce que, bon, alors donc c'était la durée de la bobine de film. Et donc ce qui m'intéressait, c'était de la détourner. Parce que quand Kodak avait créé le Super 8 en 1965, l'idée c'était de faire. Donc c'était déjà révolutionnaire parce que c'était une cassette. Alors qu'avant 1965, pour tourner un cinéaste amateur pour faire des films, il était obligé de tourner soit en 8 mm, soit en 9,5, soit en 16, mais c'était très compliqué parce qu'il fallait qu'il y ait une caméra qui mette et charge le film dans le noir, parce qu'il ne fallait pas que la lumière entre donc dans la caméra. Donc il fallait déjà être un peu du métier, c'est-à-dire que il y avait beaucoup de gens qui auraient voulu filmer, mais c'était trop compliqué. C'est-à-dire qu'il fallait mettre la caméra dans les griffes. Donc si on mettait mal la pellicule, la pellicule allait sauter et le film était foutu. Donc ça limitait énormément le nombre de gens qui pouvaient filmer. Et le jour où on a inventé le Super 8, avec une cassette, c'est-à-dire n'importe qui n'avait jamais filmé de sa vie, mettait la cassette dans la caméra et il pouvait filmer. Et du jour au lendemain, en quelques mois, on a multiplié peut-être par 1000 ou 10 000 le nombre de possesseurs de caméras. D'un seul coup, tout le monde a pu filmer. Et si par exemple, le jour où Kennedy s'est fait assassiner, si le Super 8 avait existé, au lieu d'avoir un seul document, donc en 8 mm, il y a eu un seul document, il n'y en a pas eu deux, on aurait eu peut-être 100, 200, 300 documents Super 8 qui auraient été filmés à ce moment-là. Donc, il est mort un petit peu trop tôt. La durée de la bobine était de 3 minutes et 20 secondes à 18 images par seconde. Et en fait, Kodak avait pensé que 3 minutes 20, c'était très bien, par exemple, des personnes qui partaient en vacances, ils avaient tourné une cassette. 3 minutes 20, voilà, ils avaient des plans assez courts, ils pouvaient faire 30, 40 plans. Voilà. Il pouvait filmer un mariage, par exemple, une cassette, c'était très bien. Donc l'idée de 3 minutes 20, c'était l'idée avec une cassette, on fait un film, un événement. Et donc j'ai complètement détourné cette idée de Kodak de faire un moment de 3 minutes 20, c'est-à-dire vraiment, c'est un éclair dans la vie d'une personne. C'est, combien on vit, quelqu'un qui vit 75 ans, par exemple, ça correspond à combien de secondes et ça correspond à combien de fois 3 minutes 20 ? Des millions et des millions. Donc, quand je filme une personne, c'est un fragment infinitésimal de sa vie. Et donc, tant que le cinématon n'avait pas été montré à un public, je ne pouvais pas savoir si cette durée était la bonne. Et il s'est avéré que dès le début, c'était la bonne. Tout le monde disait, ah, c'est formidable cette durée-là, parce que souvent, il y avait des personnes à l'écran qui était un peu figé, et puis souvent au bout de 2 minutes, elle se libérait, et même souvent les 30 dernières secondes qui étaient les plus intéressantes, mais il avait fallu tout ce temps de tournage, il avait fallu ces 3 minutes avant, pour des fois arriver à un final explosif, d'une certaine façon. Et donc, c'était la bonne durée. Et c'est vrai que tant que ça n'avait pas été montré à un public, je ne pouvais pas le savoir, comme toutes les règles du cinématon, comme le fait que ce soit muet, comme le fait que ce soit... que les personnes soient libres de faire ce qu'elles veulent devant la caméra. Je sais que quand j'ai montré le film pour la première fois, je ne savais pas du tout ce que ça allait donner. J'avais aucune idée de ce que ça allait donner.
c'était, si c'était maintenant avec mon expérience, bon, j'aurais déjà des indices, mais j'étais trop jeune cinéaste pour savoir ce que pouvaient donner des images sur un public. Mais à ma grande surprise, ça a super bien fonctionné. Je ne pensais pas que ça fonctionnerait comme ça. Au début, je me disais, ça va être un peu réticent, il va falloir que le public s'habitue, il va falloir que j'en tourne au moins une cinquantaine, une centaine pour que les spectateurs comprennent, disons, le projet. Et en fait, pas du tout. Dès les 9 premiers cinématons qui ont été montrés, ça a été, par exemple, la séance d'Avignon, c'était à l'occasion d'un colloque du cinéma, ça a été un véritable happening. C'est-à-dire que dans la salle, les gens étaient morts de rire, ils parlaient avec l'écran, c'était la fête totale dans la salle. Et j'imaginais pas du tout que ça pouvait provoquer autant de réactions du public. Ça a été une très grande surprise et un très grand encouragement pour continuer. Alors, j'ai pas répondu à toute la deuxième partie de la question. Alors, c'était déjà, mon dernier question, la deuxième, ça, c'est pour vous. Est-ce que pour vous, la caméra est déjà retournée à sa nature? Donc, c'est-à-dire qu'un retourner à un degré zéro du cinéma. Oui, enfin, attention, je dis souvent que le cinématon, c'est un peu un degré zéro du cinéma par rapport au réel. Je suis retourné tout à fait aux origines du cinéma. Disons que je suis retourné vraiment au début des premiers films des Frères Lumière qui filmaient un événement, par exemple le repas de bébé ou la sortie des usines minières ou toutes sortes d'autres événements en plan fixe. Et ils utilisaient le maximum qu'on pouvait utiliser, c'était 50 secondes de pellicule 35 mm. Et donc chaque événement c'était 50 secondes en plan fixe. Voilà. Donc c'était le degré zéro du cinéma. Mais je ne suis pas. Mais par exemple. Voilà, le cinématon, c'est ça, mais le cinématon n'a pas remplacé l'œil. C'est-à-dire que le cinématon, c'est que, je ne sais pas, un millionième de ma vie de cinéaste, parce que je ne sais pas combien de minutes je filme par jour en moyenne, mais c'est très peu par rapport. Donc, disons que la caméra n'a pas remplacé mon œil. Les meilleurs films que j'ai vus, je ne les ai pas filmés. C'est-à-dire que ce que j'ai filmé, c'est sans doute les choses moins intéressantes que ce que j'ai vu dans ma vie. Mais je pense que c'est pour tous les cinéastes la même chose. C'est-à-dire qu'on rêve du film idéal, mais on ne le fait jamais et on est très loin de cet idéal. Et on s'en rend compte très très vite dès les premiers films. C'est-à-dire qu'au début, on imagine qu'on peut faire le film idéal, mais très très vite, on s'aperçoit que c'est impossible. Je me souviens. Justement, Garel avait parlé de ça en 1975, quand il était allé à Digne, qu'on avait présenté à la Cinémathèque, là, Philippe Garel à Digne. Justement, à un moment donné, il parle de ça. Et voilà, donc le film idéal n'existe pas. Mais heureusement, parce que s'il existait, on arriverait à faire des films tout de suite, le jour où on a fait un film idéal. Donc heureusement qu'il n'existe pas. Et c'est pareil pour les peintres, c'est pareil pour les écrivains. Donc on est toujours en train de. Essayer d'aller vers ce point ultime et on n'y arrivera jamais. Bon, si vous avez une question, n'hésitez pas. Parce que... S'il y a des cinématonnés dans la salle, ils ont peut-être des questions à poser. À mon côté, c'est le même, comme une même règle. Donc, mon question.
question, c'est que pour vous, est-ce que cette continuation, c'est comme une, comment dire, reversement de la vérité, ou bien c'est une nouvelle lecture de la pensée, de, comment dire, pensée inerte de la spectateur. C'est-à-dire parce que nous, quand on voit une image, si, parce que soit on voit une image comme une photo, c'est, je crois que photo garder la moment de, enfin, instant de la vérité pour la photo. Mais vous, quand vous faites, comment tu faisais le cinémato, c'est comme une durée, une continuation de la photo. Donc pour moi, est-ce qu'il y a c'est comme un défi de la vérité aussi, parce que... Ben c'est l'antiphoto, parce qu'une photo, c'est un fragment de... c'est un centième de seconde. Alors que un cinématon, c'est à peu près 5000 images. Ouais. Alors, donc, c'est... pardon, je vais exprimer. Parce que pour moi, je pense, quand... parce que une filmée, c'est... comment dire, plutôt les gens s'installer avant caméra. Dans les cinématons. Même s'il y a quelques comment dire, changements, mais presque garder le même geste. Si on voit, comment dire, pour moi, c'est soit quand je vois le cinématon, quand je vois. Vous en connaissez, vous en avez vu des cinématons? Oui, je vois un petit peu sur Internet. D'accord. Oui. Donc pour moi, il y a quelques, comment le vu, habitude. Quand je vois les gens, comment dire, il y a quelques, comment dire, regards, voir habitude. Enfin, mais c'est. J'ai organisé pas mal de la question. Vous ne pouvez pas la préparer pour la semaine prochaine? Il y a une chose, pour ceux qui ne le savent pas, sur YouTube, il y a à peu près 200 cinématons, puis aussi beaucoup d'autres films, mais aussi il y a une centaine de cinématons sur le site de la Cinémathèque de Bourgogne. Voilà, donc... Une dernière question? Oui, moi c'est juste une question par rapport en fait à la postérité de la forme du cinématon. Je me demandais, en dehors de vous, parce que moi je l'ai vu comme une œuvre qui est la vôtre, si quelqu'un de prendre faire un cinématon selon un procédé, etc., qui a fait un cinématon, qu'est-ce que vous en penseriez? Ou est-ce que c'est déjà fait? Oui, non, il y a déjà des personnes qui ont fait des cinématons. Il y a notamment une école des beaux-arts à Cologne qui en a fait, des très intéressants d'ailleurs. Et de temps en temps, il y a des personnes qui en font comme ça. Et ils disent, voilà, cinématon d'après Gérard Courant. Il y a des cinéastes qui ont essayé de faire des séries un peu proches du cinématon. Mais alors, le problème, c'est qu'à chaque fois, c'était sonore. Donc, c'était totalement différent. Le fait que ça soit muet, c'est-à-dire que c'est très difficile de tourner en muet. Vous pouvez être fou comme moi pour tourner en muet. Parce que j'ai eu la chance, c'est une chance, c'est de voir dans mon adolescence, dans ma jeunesse, beaucoup de films muets. Donc j'ai été initié au cinéma muet jeune, mais pour quelqu'un qui arrive maintenant, je ne sais pas comment il pourrait faire des films muets, parce que je ne sais pas. Je ne sais pas. Là, j'avoue que... On peut, si vous êtes... Curieux, on peut montrer les cinématons que j'ai fait de lui. J'ai pas vu, non. Voilà, ce sera le bouquet final. On a du temps aussi.
Enfin, le résultat. Le résultat existe, hein, parce que j'ai filmé, j'ai vraiment filmé, hein, je ne faisais pas semblant. Si je... Le film est là, en tout cas. Ben, merci pour cette séance particulièrement créatrice. Donc, le rebond qu'on a eu encore à la semaine prochaine, on resterait sur 1000 interrogations. Donc, soyez à l'heure, parce que là, il nous manque hein, les 10 minutes. On a perdu au début. Donc soyez bien à l'heure la semaine prochaine et prévenez donc tous les fans de Gérard Florent qui nous montrera Déambulation. Donc un long métrage qui est très dépassé. Qui n'a jamais été montré et qui est un travail fait à partir d'un film de Godard, voilà, qui s'appelle Deux ou trois choses que je sais d'elle. Voilà, la base de départ. Merci Gérard. Thank you.
Merci de ta visite. Attaché. Ah oui, c'est vrai. Malheureusement. Passez le bois, profil. Mais là, vous êtes dans le cours avec... Oui, je suis avec Madame Brunet. Ah, d'accord. Dans le séminaire. C'est d'ailleurs ma directrice de recherche. Je travaille sur la mise en scène. Sur les mises en scène expérimentales. Gérard, mon mari, il est français aussi. Ils vont faire un cinématon. Ils vont que vous fassiez un cinématon sur lui. Il travaille avec les montages, les montants. Très bien, oui, bien sûr. Oui, donc on pourrait faire ça un jour. Oui, 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 oui. Vous pouvez venir pour un repas chez nous. Ah, je serais, je serais très honoré. Oui. D'accord. Alors, la mise en scène, avec quel cinéaste? Avec Lars von Trier. Je voudrais travailler sur Lars von Trier, sur Dogville particulièrement. Oui, oui. Sur 2046 aussi, en Carway. Et puis, j'ai pas mal, je suis aussi théâtre. Je travaille sur les mises en scène de Beckett, les captations de Not I particulièrement. Plein de choses en fait. Et j'ai commencé à faire particulièrement les cinématons. Mon idée c'était d'aller là-bas pour faire les cinématons. Et après ça, j'ai décidé de faire les making-of. Je vais faire une petite présentation rapide. Ah. Oui. Oui, alors, on discutera après, mais simplement, je vais préciser deux, trois petites choses. D'où vient ce film? En fait, en 1995, pour le centenaire du cinéma
et pour les 30 ans de l'invention du Super 8, j'avais fait un film qui s'appelait « Compression de l'ultraville ». Donc j'avais pris un film de l'année 1965, qui était donc l'année où avait été inventé le Super 8, et j'avais refilmé le film, image par image, donc je l'avais complètement compressé. Donc d'un film d'une heure et demie, j'en avais fait un film d'environ 3 minutes et quelques secondes. Voilà. Et donc j'avais, créé ce concept de compression. Et après cette compression de l'alphabet, j'en ai fait un certain nombre d'autres au fil des années, et même pas mal, sur des films qui me semblaient importants. Donc ça, je vous expliquerai pour quelles raisons donc, j'ai fait ce travail de compression. Et en 2008, donc, j'ai, à l'occasion d'une compression d'un film de Godard, qui est deux ou trois choses que je citais, j'ai fait une expérience de... Voilà. Donc quand je fais une compression, je multiplie le film, je le réduis de 25 fois. Ce qui veut dire que je conserve seulement 4% des images du film. C'est-à-dire que 96% des images ont totalement disparu. Et donc, quand j'ai fait cette décompression, donc je suis parti de la compression qui faisait à peu près 3 minutes, et j'ai remultiplié chaque image par 25, pour retrouver la durée initiale à la seconde près. Et donc, le film que vous allez voir, donc, vous allez voir que 4%, je dis bien 4% du film original de Godard. Voilà. Alors, la bande-son, elle, n'est pas compressée. J'ai repris la bande-son d'origine. J'avais fait la tentative d'utiliser le son compressé puis décompressé. Et ça ne, à mon avis, ça ne donnait rien. Donc, j'ai préféré faire ce travail de compression, décompression, seulement au niveau de l'image. Voilà. Donc, ce travail, je l'ai fait sur deux films. Et j'ai pris deux exemples de Godard qui sont... complètement opposé. Le premier, c'était un film à bout de souffle, et qui est un film entièrement caméra à la main, caméra à l'épaule, si vous voulez. Et l'autre film, c'est deux ou trois choses que je sais d'elle, qui est un film pratiquement entièrement en plan fixe, ou quand c'est pas en plan fixe, en tout cas, c'est caméra sur pied, il y a un certain nombre de panoramiques, mais c'est toujours la caméra pratiquement et pratiquement toujours sur pied. Donc ce sont ça donne des résultats extrêmement différents entre Avoussou et deux ou trois choses que je sais d'elle. Et en ce qui concerne Avoussou, Poupou a fait son cinématon devant l'écran du film compressé et décompressé d'Avoussou, qui s'appelle Ablock, c'est le titre du film. Voilà. Donc, c'est une expérience que je vais montrer pour la première fois à un public autre que mon salon. Donc je ne sais pas du tout ce que ça peut provoquer. Je suis très curieux d'avoir vos réactions. Et voilà, donc ce qui est important aussi, je ne l'avais pas dit la dernière fois, mais c'est intéressant de connaître déjà le film, deux ou trois choses que je sais d'elle. Si jamais vous ne connaissez pas, je vous encourage à le voir prochainement, parce que pour voir la différence, c'est-à-dire qu'à partir entre le film de Godard, et d'orientation, donc il y a un précipice, il y a un monde, il y a... Enfin, voilà, donc il y a le film. Donc je vous souhaite une bonne projection, et donc à tout à l'heure, après, pour parler. Alors, oui, je suis là. Alors, donc, j'ai failli appeler ce film 400%, puisque comme je l'avais expliqué tout à l'heure, le film que vous avez vu est fait à partir de 4% des images de deux ou trois choses que je sais d'elle. Voilà. Donc, écoutez, ça m'intéresse d'avoir vos réactions. Voilà, donc... est-ce qu'il y en avait qui connaissaient déjà le film de Godard? Oui, il y avait déjà pas mal. Voilà. Oui. Donc, pourquoi vous avez choisi ce film? Oui, alors, en fait, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, j'en ai choisi deux. Alors j'avais choisi, j'en ai fait un autre avec un bout de souffle, qui était un film essentiellement fait avec caméra à l'épaule.
Et puis, donc, ça m'intéressait de faire un autre film de Godard où il y avait beaucoup de plans fixes. Ce qui est le cas ici, ou en tout cas, pas seulement plans fixes, mais en tout cas, caméra sur pied. Donc, même quand il y a des panoramiques, l'image est stable. Alors que, par exemple, là, en dessous, comme la caméra est toujours tenue à la main, ça bouge sans arrêt, ça crée un autre effet qui est d'ailleurs très intéressant, mais ça crée un autre effet. Alors, cela dit, j'ai un autre projet avec un troisième film qui ne sera pas un film de Godard, où je pense que ça donnera des effets encore autres. Mais je garde secret le film, mais je pense que ça devrait donner un résultat très intéressant. Mais il fallait passer par cette expérience-là pour arriver au troisième. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi, parce que là, dans ce film, par exemple, c'est le son, c'est le son du son qui ressort, il n'est pas du tout touché. Oui, le son est conservé complètement. Oui, oui. C'est ça. Oui, oui. L'image, alors, où est-ce que tu veux en venir avec cette image ? Je ne veux en venir nulle part. Simplement, ce qui m'intéressait, c'était de savoir si, en enlevant 96% des images d'un film, est-ce qu'on pouvait encore en faire un film ? Est-ce qu'il pouvait y avoir encore un film à l'arrivée ? Voilà. Donc c'est un peu à vous de dire, vous avez été les spectateurs de l'expérience, est-ce que c'est encore un film ou c'est pas encore un film ? Oui, complètement. Donc voilà. Donc ça, justement, ça m'intéresse d'avoir vos points de vue. En fait, c'est entre le film et le roman photo, parce qu'on voit quand même bien les photos se détacher. Il y a des mouvements, il n'y a pas dans les romans photos. Non, mais que justement, il y a cette inquiétante étrangeté, je dirais, que j'ai retrouvé, quand j'ai vu la jetée de Chris Marker, effectivement, il y a cette référence incontournable. Parce que d'un film en plan fixe, on photogramme, à un moment ça bouge, le moment où ça bouge, le clignotement de l'œil, on est dans cet entre-deux de l'image, je dirais, en permanence dans le film. C'est ce qui est assez fantastique. Alors là, la particularité de ce film, en fait, c'est un fondu enchaîné permanent de la première image du film à la dernière, c'est-à-dire que quand je suis parti du film qui était complètement compressé, et donc après, j'ai multiplié chaque image par 25, mais chaque image est fondue en même temps dans la précédente et dans la suivante. Donc c'est un fondu enchaîné permanent qui dure le temps du film. Ah oui, ça on voit bien, c'est un fondu enchaîné. C'est permanent, il n'y a jamais... Alors, bien sûr, il y a des moments où quand il y a un plan fixe et qu'il n'y a pas de personnage qui bouge, on ne voit pas que c'est un fondu enchaîné, mais c'est quand même un fondu enchaîné parce qu'il n'y a qu'une seule image, au départ, il n'y a qu'une seule image pour une seconde. Donc, même quand il n'y a aucun objet qui bouge dans l'image, il n'y a rien qui bouge, c'est une autre texture d'image, n'importe comment. C'est encore différent, c'est encore autre chose. Oui, j'ai trouvé très intéressant la façon contemporaine de ça, parce que, en ce moment, on utilise beaucoup les moyens d'utiliser des photos et faire une autre chose avec une photo. Et c'est un film qui est devenu un autre film, une photo qui peut devenir une autre photo avec les façons qu'on peut utiliser, les techniques qu'on peut utiliser maintenant. Donc pour moi, c'était beau de voir cette version du film. Est-ce que ça change quelque chose donc si tu connaissais le film, dans le sens du film, dans l'histoire même du film? Est-ce que ça change quelque chose pour toi? Moi, je pense que oui, mais pour toi. Dans l'histoire, c'est difficile à dire parce que c'est la première fois. Ah, tu ne connaissais pas le film? Je connaissais. Ah bon, non, mais là, c'est particulier. Donc, je trouve beau, le style est beau. Donc, je pourrais dire ça. Mais ce qui est particulier, c'est que le fait que. Le son qui était « i » au départ, évidemment, devient « off » d'une certaine façon, donc ça change toutes les règles du jeu, et donc c'est un film à des limites, il y a des moments où on pourrait même fermer les yeux, parce que la bande sonore, elle prend une autre dimension, c'est-à-dire que quand on voit un film, bon, c'est un film de Godard, il y a un gros travail sur le son, il y a beaucoup d'épaisseur de son, et il était l'un des premiers à faire ça à ce moment-là, et quand on le voit en in, il y a beaucoup de choses qui elles passent, ça ne s'en rend pas compte.
Mais le fait que ça devient du off, d'un seul coup, le son devient... On voit des épaisseurs de son qui se superposent. C'est vraiment... C'est assez étonnant quoi, de voir ça. Devient presque un son de philosophie. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, comme le sens, effectivement, est difficile et qui dit beaucoup de choses, et qui dit des choses, effectivement, des interrogations sans arrêt, parce qu'il voudrait appréhender le monde, et bien toi, tu le ressors extrêmement bien, parce que finalement, l'image, on n'arrive pas à la capter vraiment, et on est axé sur le son, et on se dit, ben voilà, ça nous échappe, tout nous échappe, parce qu'on ne peut vraiment pas donner des explications si on ne se pose pas des milliers de questions. Et tu arrives, par ce processus, à nous mettre en doute. Je trouve ça fantastique. Et quels ont été les doutes que vous avez eu? Les doutes, eh ben, quand on appréhende, on regarde les images, on regarde le monde et tout ça, puis ça nous semble presque naturel, on ne se pose pas des milliers de questions toutes les minutes. Et là, tout d'un coup, on est dans l'abîme de l'image, et il tâtonne sans arrêt pour essayer d'avoir du sens aux choses. Eh ben, l'image, elle perd de son concret, elle n'est pas concrète, comme l'appréhension du monde. Voilà, c'est cette relation très forte entre le sens et l'image qui nous échappe. Mm-hmm. Ah oui. Alors, j'ouvre une petite parenthèse, parce que cette expérience que j'ai fait avec ces deux films de Godard, donc à votre souffle, deux ou trois choses que je sais d'elles, je l'ai fait sur mes propres films, et notamment, je l'ai fait sur une trilogie qui s'appelle Ali Koudi, que j'ai tourné dans l'île volcanique d'Ali Koudi. Et en fait, l'image non compressée, la première version, n'existe plus. J'ai conservé que la deuxième version, que la version où c'est compressé et décompressé comme ce que vous avez vu là. Voilà. Donc le film, en fait, cette trilogie est faite d'un fondu enchaîné permanent. Et puis il y a aussi, alors, autre chose, j'ai fait une décalogie en 2007-2008, entièrement faite avec un téléphone portable, qui s'appelle Décalogie de la nuit. Et j'ai fait deux versions de cette décalogie. Il y a deux décalogies. Il y a une décalogie en filmage normal, et il y a une deuxième décalogie où j'ai compressé et décompressé avec le résultat qu'on voit là. Et donc ça fait deux versions complètement différentes de cette décalogie. Voilà. C'est une petite parenthèse pour vous dire que ces travaux avec là étaient parallèles à d'autres travaux que je faisais à ce moment-là. Et est-ce que vous pensez que ça pourrait marcher aussi, ou est-ce que ça serait une bonne idée de faire avec un film muet, comme le Cinématon par exemple? Là, ça serait beaucoup moins intéressant, parce que justement, ce qui m'intéresse beaucoup là, c'est qu'on revisite complètement la bande sonore d'un film. C'est-à-dire qu'on le met complètement à nu, le fait de l'extirper de la bande image, ça donne quelque chose de complètement... ça devient une partition sonore qui pourrait presque être autonome. Alors faire ça sur un film muet, c'est... on perdrait, à mon avis, beaucoup de choses, à mon avis. Donc, le travail, c'est sur les sons, ça c'est clair. Les deux, mais disons que par rapport au son, notamment par exemple, alors c'est intéressant d'aborder ce problème-là, parce que là, c'est l'exemple même d'un film où la bande sonore est riche. Par contre, à bout de souffle, et la bande sonore est beaucoup plus pauvre. C'est le premier film, premier long métrage de Godard, et même si la bande sonore est très bien dans Un bout de souffle, il y a plein d'idées au niveau de la bande son, mais il n'a pas encore, utilisé vraiment la plénitude de la bande sonore. Il lui faudra quelques films pour y arriver. Et souvent, par exemple, c'est un peu pauvre, quoi. C'est rattrapé par la force de l'image du film, donc on connaît. Qu'on connaît tous, mais c'est intéressant parce que entre un film où la bande sonore est plus pauvre et un film où la bande sonore est beaucoup plus riche, ça donne encore un effet différent. Et je pense que pour chaque film, si on faisait cette opération chirurgicale sur le film, ça donnerait un résultat à chaque fois différent, et avec des metteurs en scène différents. Je pense qu'on pourrait s'amuser à faire ça avec plein de metteurs en scène, ça donnerait à chaque fois des résultats différents selon le travail de l'image, et selon le travail du son qui
qu'il y a enfin, au départ. Je suis curieuse, qu'est-ce que ça va donner avec le cinéma de temps, par exemple ? C'est, disons, c'est, ça m'intéresse moins, quoi, parce que là, ce qui, là, par exemple, avec deux ou trois choses que je sais d'elle, on écoute le film d'une façon complètement différente. Mm-hmm. C'est-à-dire, alors, ce n'est plus un film de Godard, mais c'est plus qu'un film de Godard, à la limite. C'est, voilà, c'est vrai Godard. Il n'y a pas de vrai, parce qu'il y a... toujours avec la compression et décompression, un nouveau date de Godard par exemple, ou avant de créer un nouvel nouveau date d'ambulation ou à bloc. Donc, quel est le plaisir pour toi d'utiliser les films via d'autres, d'utiliser d'autres images pour faire ton propre film. Oui, bah alors c'est bien parce que tu as dit le mot plaisir. C'est un plaisir de travailler sur un film qu'on aime et sur un film qui est encore presque 50 ans après, un film disons 42 ans après, le film de Godard garde encore plein de mystères. C'est ça qui est formidable. C'est-à-dire que souvent on s'imagine, voilà, c'est une œuvre, bon, elle est faite, elle est montrée, puis bon, on passe aux oubliettes. Là, non, on découvre encore plein de choses. Enfin, personnellement, c'est un film que j'ai vu à différentes époques, et donc c'est un film, il a sa propre vie, il est comme un être vivant, il vit, et on le regarde évidemment de façon différente selon notre propre évolution. Et donc, c'est un plaisir justement de travailler sur une œuvre de quelqu'un d'autre. Ce qui ne m'a pas empêché aussi de travailler sur mes propres films, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, mais là, ça m'intéressait aussi beaucoup. Mais enfin, c'est vrai que ça ne serait pas tellement au cinéma de travailler sur les œuvres des autres. En musique, c'est quelque chose de commun. Enfin, la plupart des musiciens retravaillent. Même Godard, il a fait ça avec l'histoire du cinéma. Et le propre Godard, je l'ai fait. Non, mais ça se fait pas tellement, ça se fait pas beaucoup au cinéma, mais je pense que ça se fera, ça se fait de temps en temps, notamment dans le cinéma expérimental, mais ça se fera de plus en plus. Enfin, j'en suis persuadé. Donc, voilà, c'est. Le protocole, d'une certaine manière, il détache le son de l'image, mais le fait que ce soit ici beaucoup de plans fixes, ça détache aussi les décors. Comme une couche en fait de décors qui sont fixes, de ce qui se passe devant. Et pour lorsqu'il y a quelques pas dans la nuit, là sur les immeubles ont l'impression qu'ils bougent comme ça. Oui. C'est intéressant. Et par contre, j'aurais voulu savoir pourquoi vous avez fait des compressions à l'origine. Des compressions. À l'origine, elle était. Ah oui, c'est vrai que je vais l'expliquer là, oui. Parce qu'en fait, la première compression que j'ai fait, c'était compression de Alphaville en 1995. En fait, au départ, c'est une commande d'un festival à Tours qui était consacré au Super 8, qui s'appelait les Rencontres du 8e type. C'est un festival qui a duré une dizaine d'années. Et donc, en 1995, ils voulaient célébrer, bon, évidemment, le centenaire du cinéma, mais aussi et surtout les 30 ans de la naissance du Super 8. Et donc, ils ont fait un appel d'offres à des professionnels du cinéma de faire un film en Super 8. Donc, ils ne donnaient pas la pellicule, c'était à chacun de se débrouiller avec sa caméra, d'acheter de la pellicule. Et en fait, donc, j'étais, à ma grande surprise, le seul à avoir répondu à cet appel d'offres. Et donc, j'avais donc, à ce moment-là, fait la compression d'un film qui avait été réalisé en 1965, un film que j'aimais, qui était Alphaville. Voilà. Donc, au départ, c'était ça. Et en fait, pourquoi j'ai fait une compression ? C'est que je m'étais aperçu, disons, à partir du début des années 90, que pas mal de cinéphiles que je rencontrais, je dis bien des cinéphiles, donc des personnes qui connaissaient bien le cinéma, qui aimaient le cinéma, qui allaient beaucoup au cinéma, connaissaient de moins en moins bien l'histoire du cinéma. Et ça, ça m'étonnait vraiment, ça m'interpellait, alors que je faisais partie d'une génération où c'était obligatoire qu'on connaisse l'histoire du cinéma, parce qu'on lisait les revues de cinéma, vraiment, l'histoire du cinéma était vraiment évolutive, on apprenait le cinéma muet, le cinéma muet russe, etc. Après,
Hollywood, toutes les nouvelles vagues dans les pays de l'Est, cinéma nouveau, enfin, avant le néo-réalisme, etc., etc. Donc, c'était, il y avait, enfin, si on s'intéressait au cinéma, c'était obligatoire qu'on avait cette vue synthétique de l'histoire du cinéma. Et au début des années 90, je me suis aperçu que de plus en plus de gens n'avaient plus cette vision-là. Et je me suis posé pas mal de questions là-dessus, et bon, j'ai compris qu'en fait, c'était qu'il y avait tellement de films qui existaient, on en arrivait presque à 100 ans de cinéma, et c'est vrai qu'on était submergé par les centaines, par les milliers, par les dizaines de milliers de films, et on ne pouvait plus avoir cette vision synthétique. Donc, si on n'avait plus cette vision synthétique, je me suis dit peut-être que les grands chefs-d'œuvre du cinéma, ils vont complètement tomber dans l'oubli, parce que je rencontrais des personnes qui me disaient, Eisenstein, je ne connais pas. Je trouvais ça quand même bizarre, des personnes qui s'intéressent au cinéma qui ne connaissaient pas Eisenstein, par exemple. Alors, l'idée comme ça est partie en me disant, mais peut-être, si je faisais des compressions de films que j'aime, des films qui comptent pour moi et qui comptent aussi dans l'histoire du cinéma, peut-être que ça va donner envie à ces personnes qui voient ces compressions d'aller voir ces films-là. Voilà. C'était une idée toute simple au départ de parler, de relancer comme ça des films qui comptaient. C'est parti comme ça au départ. Alors au départ, j'en ai fait trois en 1995. Bon, je ne savais pas du tout si j'allais en faire beaucoup, si j'allais en faire après. Puis après, bon, je ne suis plus au jeu et j'en ai fait d'autres. Donc j'en ai fait un certain nombre aujourd'hui. Et je continue donc à en faire avec des films de Parajanov, de Romer, de Guggenhorst, de Philippe Garrel, de Bernard Schröter, de Howard Hawks. J'en ai fait quand même c'est pas mal. Et voilà, donc j'espère que ça donne envie d'aller voir ces films. Tu penses que c'est une méthode pour toi pour aller voir les films? Mais c'est même pire que ça, c'est que je me suis dit, peut-être que dans un siècle, les films, on ne saura même plus qui est, je ne sais pas, Raoul Walsh, on ne sait pas qui sera, je ne sais pas, moi, Bolognini, ça me semble tellement aberrant. Et donc, avec ces petites compressions-là, ça peut permettre peut-être de dire, ce film existe, ce cinéaste existe, voilà. Parce que à la vitesse où vont les choses, je ne sais pas du tout, dans 50 ans, dans 100 ans, qu'est-ce qui restera du cinéma, voilà, je suis très curieux de savoir. Mais juste par rapport au film d'autres choses que je sais d'elle, il dure combien le film? Je crois qu'il dure 1h26. Et le tien? C'est exactement à la seconde près, la même durée. Ah oui, alors comment ça se fait? Ah ben là, c'est pas la compression qu'on a vu. La compression, elle existe, hein, elle dure 3 minutes à peu près. Hein. Je l'ai dans mon sac, hein, si jamais quelqu'un. On peut pas l'avoir, la compression, hein. Je ne sais pas si on a le temps. Je peux... C'est vous qui dites. Hein. C'est trop juste, on ne montre pas. Mais alors, ça, c'est le travail. Donc, la compression existe 3 minutes. Oui. Et ce travail-là, comment tu l'appelles alors? C'est quoi ça alors? Ah ben là, le film, il a un titre, il s'appelle Déambulation. Hein. C'est pas la compression. La compression, c'est un film compressé au départ et qui a été décompressé. Ah, d'accord. C'est une sorte de concentré du film, comme le sirop dessert. Moi, je pensais au. Opposé à l'expérience inverse, à l'étirement du film. Enfin, les dessinateurs, s'ils sont intéressés à étirer un film sur 24 heures, par exemple, Psycho, c'est intéressant en autre sens, mais. Ça fait plus penser à Duchamp, à l'idée d'œuvres en Paris, par exemple. C'est comme une sorte de conservation. Oui, je pense qu'il y a quelque chose de Duchampien là, dans la démarche. Oui. Oui. Comment t'expliques s'il y a quelqu'un qui te demande par rapport à l'originalité de ton travail sur la décompression et la compression ou peut-être ta manière de renouveler un film. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui te demande par rapport à l'originalité du film de Godard? Vous pouvez demander ça. Oui, c'est voilà, ça. C'est ça. Ah, c'est toi qui... voilà. Ah ben non, mais c'est là, après, c'est à vous, spectateur, vous avez maintenant le film vous appartient, donc vous avez vu, vous avez assisté à une expérience, et donc voilà, est-ce que pour vous, comment fonctionne cette expérience? Moi, je le prends comme ça, je propose une expérience. Après, bon, à chacun de. Voilà. J'ai donné déjà mon point de vue qui n'a pas changé dans l'explication. Ce qui est ça, il est devenu un art contemporain. Et on a appris
vous avez pris un film de 50 ans et il est devenu une autre chose. Et j'adore la façon de transformation qu'on peut faire avec l'art. Qu'est-ce que vous... Non, bah, n'importe comment, au départ, c'est bon, c'est, enfin, je ne sais pas, le mot est sans doute pas le bon mot, mais c'est un film qui est très. Enfin, il a un côté très, très réaliste, mais pas seulement. Et là, ce côté réaliste est complètement explosé, complètement. On part complètement, à mon avis, complètement dans le rêve. C'est quelque chose qui est, quand je disais, entre les images. Je ne sais pas comment l'expliquer, avec cette dichotomie, en fait, avec l'image et le son, qui a plus ce synchronisme, ça donne un objet qui est complètement... je ne sais pas comment le définir, mais c'est à la fois complètement le film de Godard, mais c'est au-delà du film de Godard aussi. C'est comme si on avait jeté le film de Godard dans l'espace, comme ça, dans l'odyssée de l'espace, comme ça, puis le film traverse les années-lumière, voilà, puis il arrive au bout de son voyage, voilà, dans quel état il arrive. Dans quel état il arrive. Je trouve qu'il y a une sensation de brisure qu'il n'y a pas dans... J'ai vu d'autres choses que je disais, l'original. Je trouve qu'il y a une sensation, il y a une matière, une matière, qui n'est pas seulement visuel, qui est sensible, qui est comme une brisure permanente dans le film, par le fait que les paysages sont des paysages froissés, c'est tout le temps froissé, le visage est totalement presque grimaçant, j'exagère. Hein. Et les femmes qui sont magnifiques, elles sont extrêmement belles dans ce film, elles ne sont plus, on n'a pas le temps de voir. Leur peau, leur charme. De temps en temps, Marina me l'a dit parce qu'elle a un visage extrêmement pur et ovale. Mais je trouve qu'il y a quelque chose de, pour moi, c'est quelque chose de très très nouveau par rapport à ce que j'avais eu la dernière fois, où il y a cette interrogation permanente et la perplexité. Il y a des dialogues sans cesse et des questions très intelligentes et des perplexité, étonnement de l'autre, du partenaire dans l'histoire, qui disparaît dans ces versions-là, je trouve. Il y a quelque chose de brutal dans cette compression, je trouve. C'est mon impression. Parce que c'est assez contemplatif, ce film de Godard, je trouve. Même si son montage est surprenant. Contemplatif, je dirais peut-être pas le mot pour ce film-là, parce que le son est en permanence. C'est une manière de photographier. Oui, mais dans le film de Godard, la bande-son, elle est très brutale, elle est très rude. Quoi. Et il atteint vraiment parce que de film en film, on voit que le travail sur le son évolue dans le film de Godard. Et là, il atteint un niveau maximum, à mon avis. Là, il est sans arrêt, souvent, la bande-son dans le film de Godard est souvent est en lutte permanente avec l'image, avec tous ces bruits, tout ce travail sur les bruits de fond, les couches qui sont rajoutées, les bruits, notamment dans le café par exemple, les bruits de rue, c'est un choc permanent entre l'image et le son, dans le film de Godard, je parle. Même si on a déjà vu le film, on est encore étonné de voir cette femme qui, dans son foyer, gentille femme au foyer, qui se prostitue à certaines heures. Et le fait de cette brisure d'image, c'est encore plus brutal. Ça lui donne un autre caractère, ou ça donne un jus qui est différent. Alors, il y a une chose que j'avais fait plusieurs expériences par rapport, parce que là, je multipliais par 25. Pour compresser, j'avais essayé différentes, par exemple, à 12 ou à 50, mais là, ça ne fonctionnait pas. J'ai trouvé que ça fonctionnait que si c'était multiplié par 25. Voilà. Les autres, ça ne donnait pas un résultat intéressant, enfin, à mon avis. Donc, voilà. Je trouve
pensais que ça avait été fait exprès et que. Et donc, du coup, je me disais que enfin, ça produisait un espèce de distance au spectateur qui pouvait penser à ce qu'il voyait et réfléchir plus sur chaque image. Donc, je trouvais que c'était un peu. Ah, ça c'est intéressant, évidemment. Oui. Et ça, en fait, je suis arrivée dans un moment marrant parce que je suis arrivée, comme vous disiez, sur le subjectif de l'objectif et l'objectif du subjectif. Et donc, justement, c'était vraiment adapté à la matière du film qui était tiré et compressé. Donc, je suis arrivée à un moment marrant. Bon, et puis la dernière partie de l'expérience, à mon avis, ça serait de passer le film à la radio, donc qu'il n'y ait que la bande sonore. Je pense que ça serait aussi intéressant. Il a dit, ouais, j'ai pas fait attention.
D'ambulation. Ah, c'est un film ancien. Et Godard, tu dis rien en fait. Godard, tu détournes. Non, non, je pense pas qu'il le sache. Hein, ça. Et quand il le saura, ah, c'est intéressant content, de filmer cette confrontation avec Godard qui te rend visite, ou toi tu vas rendre visite. Tu lui montres côté film. Tu l'as croisé, Godard ? C'est un métafilm sur Godard. C'est vrai. Voilà, donc il va être content parce que c'est une forme de mise sur un piédestal que tout de même. Hein. Déjà, qu'il est vénéré. En plus, on en fait une œuvre concentrée. Quoi de plus ? Je demande le feu. Tu lui voles, ouais. Oui, tu nous. Ah là là, il y a un témoin. Mais ce qui est très joli, c'est qu'on se retrouve tous les trois. Hein. Ça, c'est quand même drôle. Et puis, tu sais, ce qui est amusant, c'est que je suis en train de recopier les mails de Martine de 2001. Ah oui, ça passe. 2001, 2005. C'est drôle, non ? L'autocompression. Alors, je vais vous demander. Oui. D'accord. Va bien.